Salut les amis, vitesse, développement, braqué, on a de quoi s'y perdre au moment de choisir lesquels utiliser. Aujourd'hui, on va voir dans le GCN en français comment les utiliser comme un pro. Tous ces mots évoquent la même chose, à savoir la combinaison entre votre plateau, qui se situe à l'avant au niveau du pédalier, et vos pignons. Certains auront un seul plateau, deux plateaux, trois plateaux. On va voir ensemble quelles sont toutes les combinaisons possibles et surtout quelle est la plus adaptée pour vous. Une fois la bonne combinaison choisie, on verra également comment les utiliser au mieux et comment anticiper ces changements de vitesse à vélo. On peut aujourd'hui trouver sur le marché des cassettes, donc les pignons, allant jusqu'à 13 pignons. Évidemment, plus vous avez de possibilités, plus ça va vous donner de facilité à les utiliser sur la route, notamment lorsque celle-ci s'élève. Alors, quelques règles simples à respecter lorsqu'on utilise ces vitesses à vélo. Ne jamais croiser la chaîne, ce qui signifie lorsqu'on est sur le petit plateau, on n'ira jamais sur le petit pignon à l'arrière. On va rester en milieu de cassette. Lorsqu'on arrive en milieu de cassette, on va monter sur le grand plateau et à ce moment-là, on pourra descendre au minimum de ces pignons. A l'inverse, de la même façon, ne jamais croiser lorsque vous êtes sur le grand plateau avec le plus grand de vos pignons. Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que vous allez accentuer l'usure précoce de votre chaîne et de votre transmission. Donc ça, c'est la première règle à respecter. D'autres règles à respecter sont, par exemple, celle de l'anticipation. Lorsque vous voyez que le terrain s'élève devant vous et que vous êtes sur un développement difficile à amener, donc souvent grand plateau, petit pignon, commencez à anticiper en changeant déjà de vitesse et pourquoi pas tomber le petit plateau. Sinon, il y a des chances que vous vous mettiez à dérailler en plein milieu de la montée et dans le pire des cas, la chaîne reste coincée entre le cadre et le pédalier. Alors, comment savoir que j'utilise la bonne vitesse? Eh bien, il y a un indicateur simple. Et non, ce n'est pas la vitesse à laquelle vous roulez, mais c'est la cadence de pédalage, à savoir le nombre de rotations que vous effectuez en une minute. Et on vous conseille, quel que soit votre niveau, de rester entre 70 et 100 tours minute. En dessous de 70 tours minutes, ça veut dire que vous amenez trop gros, donc un développement trop difficile et il faudra penser à alléger et donc à en changer. Si vous êtes au-delà des 100 tours minutes, cela signifie sûrement que vous avez un peu les jambes autour du cou et que vous allez pouvoir vous permettre au contraire de changer de développement pour un plus difficile à amener. Donc en l'occurrence, aller vers les petits pignons ou bien utiliser le grand plateau. En parlant des plateaux justement, on a dit que dans les pignons, il peut y avoir jusqu'à 13 combinaisons. Dans les plateaux, vous allez trouver du triple, du double, du simple et ce qu'on appelle le compact. Le compact peut être un très bon compromis puisqu'il s'agit d'un grand plateau intermédiaire, en général de 50, et d'un petit plateau suffisamment petit pour vous donner suffisamment d'agilité sur tous les terrains. Donc en général, un 34. Les professionnels, eux, choisiront plutôt un grand plateau traditionnel de 52, 53 ou 54. Et le triple plateau, j'ai envie de dire, c'est plus réservé au cyclotourisme. Donc si vous aimez vous balader à vélo et avoir un maximum de possibilités, forcément, vous aurez un troisième plateau. Ce sera plus lourd, mais ce sera aussi plus confortable. Une image qui peut être intéressante d'utiliser, c'est celle de la voiture avec finalement le sous-régime ou le sur-régime. Lorsque vous arrivez dans une côte en sous-régime, la voiture risque de caler et vous allez devoir rétrograder. Eh bien, c'est le même principe à vélo, c'est pour ça qu'on vous recommande de maintenir une cadence élevée, parce que plus vous allez arriver dans une montée avec une cadence élevée, et plus il sera facile, du coup, de passer cette difficulté. Au contraire, si vous arrivez avec un développement trop dur, eh bien, vous risquez de la même façon de vous planter. Pour aller plus loin, et pour ceux et celles qui ont la chance d'utiliser des changements de vitesse automatiques, certaines des règles que je viens d'évoquer sont aujourd'hui impossibles à franchir puisque vous avez la possibilité d'utiliser notamment des modes semi ou totalement automatiques qui, lorsque vous changez de développement, en fait, ne permettent pas de croiser la chaîne et automatiquement vont faire le changement pour vous, c'est-à-dire changer le plateau lorsque nécessaire. Maintenant que vous savez comment utiliser vos vitesses comme un pro, une chose primordiale pour terminer, c'est entretenir votre transmission. Évidemment, c'est bien de savoir l'utiliser, mais il faut aussi qu'elle reste en bon état. Pour ça, on pense à la dégraisser régulièrement après chaque sortie ou au moins une fois par semaine. Et pour celles et ceux qui utilisent leur vélo peu fréquemment, eh bien, avant de repartir l'utiliser, vérifiez qu'il n'y ait pas de pointe dure ou que la chaîne ne soit pas rouillée, auquel cas un petit peu de dégraissant
et on pense à relubrifier derrière, très important, parce que c'est ça qui va protéger votre chaîne et également permettre à la transmission de fonctionner de façon plus fluide. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les tutos du poteau Lolo qui nettoie mieux mon vélo que je ne le fais moi-même. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux utiliser vos vitesses. Et puis, on se retrouve sur GCN en français très bientôt pour plus de contenu. Rendez-vous également dans l'app. N'oubliez pas de nous donner tous vos commentaires. Salut !